Good morning, allez-y, Daniel, ce sera aujourd'hui le Nishmat, Avraham, Rabbi Ben Yitzhak, Befani, et Lorléa Bat Bella. Si vous souhaitez aussi des dieux, une prochaine étude de Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Et nous étudions aujourd'hui la dernière Mishnah du Seder Moed, Beshah Tova, Masechet Chagiga, Pere Gimel, Mishnah Chet, Keitzad Ma'avirin al Taharat Azara, Madbilin Atakirin Shayuba Mikdash, Vomrim Lahem, Izaharu Shaloti Geu, Bashulchan, Utetamuhu. Kol akelim shayu bamikdash, yesh lahem shniim ushlishim, shim nitmu harishonim, yaviu shniim tachtev. Kol akelim shayu bamikdash tounin tvila, chutz mimizbach hazaav, umizbach hanechoshet, mipnei shen kekarka, divrei Rabbi Eliezer, vachramim omrim, mipnei shehen metsupin. On commence à traduire, keitzad ma'avirin al tahara tazara, comment faisait-on, transportait-on pour purifier la hazara? C'est comme ça qu'on a traduit plus ou moins la phrase, elle est un peu dure à traduire. Mais Mavirin est à Kelim Mimkomam que de la Dbilan. Comme ça, le partenaire explique. Donc, on explique, il y avait une halakha particulière pendant la fête. Il y avait toutes sortes de Kohanim qui montaient au Beit HaMikdash pour travailler. Tout le monde venait, on avait besoin de tout le monde, il y avait énormément de travail. Tout le monde était accepté et personne n'impurifiait. Mais une fois que la fête se termine, il s'avère que maintenant, tout ce que les Amaretz, tout ce que les gens simples, avait touché au Beit HaMikdash, devient rétroactivement impur et il faut aller les tremper. Même s'il n'a plus touché depuis la fin de la fête, avant que la fin de la fête sorte, on a dit au Amaretz de ne toucher plus rien dans la Hazara. Se termine la fête, le lendemain même, eh bien, tout ce qui a été touché par les Amaretz va être considéré comme impur et va falloir les purifier. Et donc, comment est-ce qu'il va falloir les purifier? Comment est-ce qu'on va faire? Comment, Keitzad Ma'avirin al Taharat Hazara, comment va-t-on transporter tous les choses pour les purifier? La Mishnah me dit, Matbilin atakelim shayu bamigdash. On transportait, on allait tremper directement tous les ustensiles qui étaient au Beit HaMikdash. Ils étaient en tous en métal, ouais, de l'or ou de l'argent, et bien on pouvait aller les tremper. Vomrim lahem. Et aussi à part ça, on leur disait, en fait, au Amaretz, pendant la fête, on leur disait, Izaharu shelotigeu bashulchan otetamuhu. On leur disait, attention, vous ne touchez pas le shulchan. Soit il y avait parmi toutes les avodot du Beit HaMikdash, il y a des corbanotes qu'on fait, il faut asperger du sang, il faut toutes sortes de travaux. Un des travaux qu'il y avait à faire, une des avodot qu'il y avait à faire, c'est d'aller apporter le lechem panim, d'aller mettre le pain. Il fallait rentrer dans le Echal, il y avait là-bas la table, et apporter le nouveau pain du Shabbat au Shabbat. Et là-bas, la lacha nous dit, lechem panim lefanaï tamid. Il faut que le pain soit constamment posé sur la table, qu'il n'y ait pas d'interruption. Du coup, les Kohanim, on leur disait, vous tenez vos gardes, personne ne s'approche de la table. Du Shulchan Taor, la table qui était en or, en bois et recouverte d'or, il ne fallait surtout pas que les Kohanim la touchent, les Kohanim impurs la touchent, parce que même si pendant la fête, ils ne vont pas la rendre impure, mais après la fête, il va s'avérer qu'elle était impure. Or, si elle était impure, il va falloir la tremper au Mikvé. Pour la tremper au Mikvé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le pain pendant ce temps. Le pain, il va rester pendant toute la semaine, du Shabbat jusqu'au Shabbat. Et on l'a changé, il y avait toujours du pain sur le Shulchan. D'accord? C'est le siman de la Parnassa, Hachem lui donne la Parnassa sur terre. La Torah a insisté que ce soit les Fanaï Tamid, devant moi toujours. Donc, du coup, pour éviter le problème, on leur disait, vous n'approchez pas la table, vous ne la touchez pas. Ensuite, Kol HaKelim Shayu BaMikdash, tous les ustensiles qui étaient au Beit HaMikdash. Yesh Lahem Shniim ou Shlishim. La Mishnah me dit, sache qu'ils avaient une paire et même un troisième aussi. N'importe quel ustensile que vous pouviez avoir, on en avait prévu, en fait, depuis la construction du Beit HaMikdash, qu'il y a des ustensiles de rechange, que si lui, il est devenu impur, qu'on puisse tout de suite le remplacer. De manière à ce que si les premiers vont devenir impurs, mais ils pourront rapporter des autres à la place. Maintenant, tous les ustensiles qui étaient au Beit HaMikdash, tout ce qui est un ustensile, tout ce qui est déplaçable, tout ce qui était au Beit HaMikdash, eh bien, il faut, il requiert une pureté après la fête. Chus a quelques exceptions qui sont mis Misbeach Hazaav ou Misbeach Hanechoshet. À l'exception du Misbeach en or et du misbeach en cuivre, les pinéchen qui est karka, parce qu'ils sont considérés comme un karka, dit Rabbi Elazar, c'est la vie de Rabbi Elazar. C'est quoi le misbeach hazav, le misbeach en crochette? Il y avait deux misbeach au Beit HaMikdash. Un misbeach qui était dans la cour du Beit HaMikdash. Dans la cour, il y avait un énorme misbeach. Là-bas, on faisait tous les korbanot. On faisait la shrita, on aspergeait le sang, et on brûlait les animaux aussi. Et quand c'était à l'époque du Mishkan, c'était beaucoup plus petit, c'était pas aussi grand. C'était, si je ne me trompe pas, il y a un avis, il y a un marque parce que c'est 4 sur 4 ou 8 sur 8
Amam, en tout cas, ça va faire une scène beaucoup plus petite. En théorie, il est en métal. Donc, en théorie, il faudrait, si il est devenu impur, il faudrait le tremper. Malgré tout, le Rabbi Eliezer dans scène qui ne veillait lui qu'il n'est pas d'impureté, ça, je vous ai parlé du Misbach en Echrochet, ce qu'on appelle le Misbach en Echrochet. On a dit le Misbach en cuivre. À l'intérieur du Echal, il y avait un Misbach qui était en or, qui était beaucoup plus petit cette fois-ci. Il faisait une ama sur une ama, une coudée sur une coudée, un carré comme ça, qui était haut d'une ama sur une ama et demie. Et lui, sur lui, on faisait la ktoret. Et en théorie, il n'a aucune raison de ne pas véhiculer d'impureté, lui aussi. Malgré tout, il ne véhicule pas d'impureté sur Rabbi Eliezer, parce qu'il apprend ça dans les kesh, que le Misbeach Hanechoshet, le Misbeach qui était en cuivre, de Misbeach Haola, qu'on appelle Misbeach Hachitson aussi, eh bien, la Torah nous a dit qu'il s'appelle Misbeach Havanat HaAseli. Il fallait même le remplir de terre à l'intérieur pour qu'il soit en contact direct avec la terre. Et puisque la Torah nous a dit Misbeach Adama, il est Mechouba la Karka. Il est considéré comme fixé au sol, et tout ce qui est fixé au sol ne véhicule plus d'impureté. Et ensuite, la Torah nous a dit « Amenorah ma misbechot » et nous a fait un hekesh entre les misbechot et même la menorah pour nous dire en fait le même statut que selon Rabbi Eliezer, même autant que le misbech hanechoshet ne véhicule pas d'impureté, au même titre aussi le misbech hazav et même la menorah selon ça, ne véhicule pas non plus d'impureté. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. « Vachachamim omrim, mipene shen mesupin » une phrase floue de Chachamim que je traduis d'abord. Chachamim nous enseigne parce que « mipene shen mesupin » parce qu'ils sont recouverts. Soit, en fait, ils veulent parler, ils s'expriment en rapport avec le... On va commencer à parler du Misbeach Hanechoshet, c'est plus facile. Le Misbeach Hanechoshet, il est en théorie en terre. Ou bien non, on peut parler aussi même du Misbeach Hazav, ça vient en même. Il était en bois, lui, cette fois-ci, qui était recouvert d'or. Alors maintenant, la Mishnah, elle-même dit, soit il faut les purifier, soit il ne faut pas les purifier, parce qu'ils sont considérés comme recouverts d'or. Il y a deux avis, en fait, le partenariat pour deux avis. Il y a les Mefarshim qui expliquent d'une certaine manière, et le Rabbam qui explique dans l'autre. Selon Chachamim, d'après le premier pirouche du Bartanora, ils nous disent non, mais Pneshan Metsupin, ils n'ont pas besoin d'être trempés que, au Mikvé. Parce que toi, Rabbi Eliezer, en fait, tout le monde est d'accord qu'il faut les dispenser de purification. Selon Rabbi Eliezer, il faut les dispenser de purification parce qu'ils sont considérés comme fixés au sol. Les Chachamim nous disent non, c'est pas la bonne raison. Ils sont dispensés de villa parce qu'ils sont en bois recouverts de métal. Alors quoi? Du bois recouvert de métal, c'est un grand sujet dans l'art, c'est vaste. Mais concrètement, ils rapportent là ici, sur le premier avis, que ce qui est des ilo avou mesoufin, yeshleta aran. Et ils viennent nous dire en fait non, excuse-moi, j'ai dit le contraire, j'ai dit le purjur rambam, je reprends derrière. Selon Chachamim, ils sont considérés comme recouverts. Et donc, ils nécessitent une villa. Soit, en fait, ils viennent dire, s'ils étaient juste en bois, toi, Rabbi Eliezer, tu dis qu'ils sont dispensés de villa. Tu dis qu'ils sont dispensés de villa parce qu'ils sont considérés comme fixés au sol. Nous, on n'est pas d'accord. On aurait pu quand même le dispenser parce que c'est un ustensile en bois. Un ustensile en bois qui ne contient pas, qui n'est pas un ustensile qui contient, c'est un ustensile plat, il ne requiert pas d'autre villa. Mais viennent Rabbi nous dit, malgré tout, mes pneus, chaînes, mes soupines, puisqu'ils ont une plaque de fer, de métal, d'or, de cuivre au-dessus, puisqu'ils sont maintenant, ils ont une plaque de d'or au-dessus pour le Misbeach à Misbeach Hazav, par exemple, eh bien, on considère qu'il est considéré aussi comme un ustensile en or et qui véhicule une impureté en fait. Toi, Rabbi Eliezer, tu le dispenses de purification et nous on impose de purification. C'est ce que la Mishnah me dit. Toi, Rabbi Eliezer, tu le dispenses parce que les Mipneshan Kekarka et nous on pense que Mipneshan Mitsupin ils requièrent une purification. Ça, c'est le premier avis qui est rapporté dans le Parthénora. Deuxième avis du Martin Noir, en fait, c'est d'expliquer comme ce que j'avais commencé à dire en inversant, c'est de nous dire qu'un ustensile qui est uniquement recouvert, mais que l'ustensile lui-même, il s'appelle un ustensile en bois, eh bien, il a un statut de bois. C'est assez fréquent, et c'est un vaste sujet de l'alakha, en fait. Imaginez, vous avez un ustensile en bois pour le trempeau migvé. Vous achetez, quand vous achetez des cuillères, quand vous achetez des choses, il faut le trempeau migvé. Maintenant, si vous achetez des ustensiles en bois, le bois ne requiert pas d'être purifié au migvé, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si en bois, mais il a quelques petits ornements en or ou en métal. Mais c'est plus l'essentiel de l'objet. Alors là, on va entrer dans un sujet assez complexe à considérer. Est-ce que ce qui a été recouvert, c'est quelque chose qui est indépendamment utilisable, pas indépendamment utilisable, dans ça, dans l'enfant, on considère. Là, ici, par rapport à notre Mishnah, c'est comme ça que le Baradar Rambam, il explique. En fait, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que le Misbeach Hazav est dispensé de purification. Mais il vient de nous dire la raison pourquoi on le dispense de purification,
C'est pas comme ce que tu dis parce qu'il a un statut de Mechoubar à la carca de fixer au sol, mais c'est plutôt parce qu'il est, il est considéré comme un ustensile en bois qui n'est pas prévu à contenir, et donc il ne véhicule pas dans la pureté. Ok ? Adran alach masechet ragiga vekol seder moed besha Torah bezot Hashem besimcha ou bemazal tov. Pour aujourd'hui, on a du rhum pour fêter ça ensemble. Bezot Hashem. Prochain seder qu'on va commencer ensemble, ce sera le seder Nashim, donc le quatrième seder qu'on va quatrième seder Bezot Hashem de parmi les six. On a passé la moitié du chasse de Mishnayot. C'est très beau, très émouvant, très content. Et on a tout de suite d'ailleurs commencé, au moins par cœur, à parler de la prochaine Mishnah. La prochaine Mishnah, c'est Masechet Yevamot. Et on va, vous savez, c'est quoi le hiboum? Quand il y a un homme qui décède, qui n'a pas laissé d'enfant, et son frère a la misère de se marier avec cette femme, c'est la misère du hiboum, ou de la libérer en faisant la Khalitsa. Ça, c'est pour donc débuter la Mishnah qui va nous dire Hamashi Sonashim, Potro Tsarotven, Vetsarot Tsarotven, Mina Khalitsa, Mina Hiboum. On verra Mesa Hashem précisément tout ce que ça veut dire. Pour le moment, je vous souhaite un Mazal Tov, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite encore de continuer ensemble et de finir ensemble tout le chasse de Mishnayot et d'étudier encore plus et décupler encore plus, de nous rappeler surtout de tout ce qu'on étudie, Bezrat Torah, Bezrat Hashem. Et voilà, Mazal Tov, Baruch Ata Adonai, Elohim, Omanach, Onam, Shakon, Yamidvoro. Kol Tuv, Selah.